Tout d'abord, vous allez me permettre, Président Adesina, de vous féliciter pour votre leadership en fonction, en faveur de l'économie verte. Votre initiative d'organiser aujourd'hui cette rencontre est encore une fois un témoignage pour cet engagement, ce qui est important pour nous tous. Les besoins en infrastructure, les ports, les routes, les chemins de fer, les réseaux électriques et autres, nécessaires pour permettre à la Mauritanie d'exploiter pleinement son potentiel d'hydrogène vert, sont énormes. Et c'est là où l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique peut et doit jouer un rôle primordial. Nous attendons d'elle qu'elle participe activement au financement de nos projets d'hydrogène vert et qu'elle nous accompagne efficacement en matière de renforcement de nos capacités. Je lance un appel à tous les partenaires potentiels afin d'adhérer à cette alliance et de la soutenir. Je vous remercie.